BIM Designers améliore les cédules natives de Revit en automatisant le processus de création d'une cédule de barre d'armature. L'option « Liste de barres » de BIM Designers peut être utilisée pour les éléments de béton structurel renforcés avec BIM Designers dans Revit, tels que les fondations, les poutres et les colonnes, ainsi que les éléments structurels renforcés avec l'option « Standard des barres d'armature », comme par exemple les fondations continues, les dalles et les murs. Le résultat est une cédule Revit native qui peut être modifiée au besoin en ajoutant, cachant ou supprimant différentes informations. Vous pouvez créer des cédules par partition, par exemple en affichant tous les éléments de renforcement sur le niveau désiré. Encore mieux, en prolongeant une partition, le nouveau renforcement créé dans le modèle peut être ajouté à une partition existante. Un autre avantage à utiliser la nouvelle option de liste de barres est qu'il est possible d'utiliser un gabarit de cédule antérieurement créé et personnalisé. Il suffit de sélectionner votre gabarit, puis l'appliquer. La même cédule de barre d'armature peut être ajoutée directement dans les dessins générés dans BIM Designers. Installez votre gabarit de cédule d'armature dans les paramètres du plan, puis générez votre dessin. N'oubliez pas d'ajouter les détails de pliage dans vos cédules de barre d'armature. Ceci se fait en un seul clic. Avec GreyTech BIM Designers, augmentez la fonctionnalité de Revit et accélérez le processus de modélisation et de détaillage de tous vos projets d'armature.